un membre d'honneur. Je l'ai vu arriver tout de seul, tout à l'heure. Ce personnage, parce qu'il s'agit d'un personnage, je sais qu'il est là, je ne le vois pas tout à fait, mais je sais qu'il est arrivé. Ce personnage s'est investi depuis de très nombreuses années au sein de notre association. C'est quelqu'un que j'apprécie. Et c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir se donner à fond et qu'on ne remarque plus. Et je vais vous dire pourquoi on ne le remarque plus. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir ce personnage se remuer qu'on n'y fait même plus attention. Donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement à cœur. Vous avez vu sur le mur de la salle de jeu derrière, vous avez la liste des membres d'honneur. Je fais partie de cette liste en étant le seul président d'honneur. Et tous les autres membres d'honneur, c'est moi qui les ai nommés. Je n'ai d'accord à demander à personne, puisque c'est le privilège du président. Mais pour cette fois-ci, j'ai été bien aidé par notre secrétaire Vieux-Fil, et je l'en remercie chaleureusement, parce qu'il a été à fond derrière moi. Et donc, quand je vous dirai le nom, vous comprendrez que, avant que je parte à la retraite de président et que je sois remplacé, c'était une obligation. Il y a sur cette liste 9 noms. Et la semaine dernière, j'étais particulièrement choqué quand j'ai regardé cette liste, parce que j'ai vu que dans cette liste, il y avait un nom qui ne figurait pas. Et j'ai été choqué simplement parce que je me suis dit, dans quel milieu vivons-nous? Est-ce que nous allons ressembler à certains motoclubs de la région parisienne qui portent des couleurs et qui les attribuent seulement à des personnes qui leur paraissent méritantes, mais qui sont en réalité des voyous et des bandits? Ici, c'est une différence que nous faisons. Nous acceptons tout le monde, la preuve avec Patrick aujourd'hui. Bienvenue. Non, c'est justement, c'est marrant parce que je suis tellement stressé qu'il faut que ça sorte. Et donc, allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Cette personne est là. Elle ne s'attend pas du tout à ça. Je suis particulièrement ému, je n'ai pas dormi de la nuit. Alors j'ai l'honneur de lui remettre personnellement ce titre de membre d'honneur. Vous allez pouvoir lui faire une ovation et vous vous rendrez compte que dans le milieu biker, nous ne sommes pas des machos. Je nomme Madame Lynn Perry. Oh, ouais. Vous comprenez aisément qu'Alphonse a été nommé membre d'honneur et qu'elle fait le même travail qu'Alphonse depuis des années. Bravo! Arrête Alphonse, tu vas me faire pleurer. Lina? Il n'y a pas que moi qui vais payer la plus. Diplôme, le diplôme, tu peux le montrer à tout le monde. Et ton patch, voilà. Donc, on est fiers. Et excessivement heureux que tu fasses aujourd'hui partie de cette liste. Et sachez que le bon mandat, c'est la dernière fois que je nomme un membre d'honneur. Le prochain sera nommé par mon successeur. Et croyez-moi, parfois, c'est une tâche qui vous remplit de bonheur et de joie, mais c'est une tâche qui est extrêmement difficile et extrêmement prenante. Donc merci de l'accueil que vous lui avez fait. Et bonne balade et bon appétit pour le repas de midi. Bravo Lynn ! La décision, je l'ai prise il y a 2 jours parce que j'étais choqué par la liste que j'ai vue là-bas. Je me suis dit qu'on n'était quand même pas des machos, qu'il fallait absolument qu'il y ait une femme, membre d'honneur. Et tu es la première femme. Quelle femme? Tu es la première, tu es la seule, et peut-être qu'elle n'aura plus jamais.
Oui, c'est chez nous. Quand me dit Phil, Phil, notre secrétaire, c'est pire que la Légion d'honneur. Parce que la Légion d'honneur, elle est donnée en ce moment à n'importe qui. Chez nous, être membre d'honneur, c'est un grand mérite. Ça se mérite et c'est rarissime. Donc, depuis que le club existe, sur la liste, il y aura désormais 10 membres d'honneur. Voici la 10e. Non, mais il y avait une fois.